Ok, ils font exactement la même affaire que. Ce qui est vraiment dégueulasse dans le jeu, c'est que. Genre, t'as des œufs de ces araignées-là. Puis, c'est tellement l'air de passer à côté, ils ouvrent tout seul, mais s'il y a vraiment une araignée dedans, elle va te courir après, mais la plupart, c'est genre juste des larves. Fait que là, il faut que tu les éclaires, puis que tu t'assures que ce qui est dedans, c'est pas une vraie araignée. C'est dégueulasse. À chaque fois, tu vois les. La vermine. Ah, tout à fait. Je pense que je vais garder la vidéo juste pour te partager l'excellence du moment. Comme là, lui, il a l'air d'avoir quelque chose là-dedans, ouais. Ah, une belle grosse araignée qui me regarde. Ah, c'est comme une araignée de scorpion là, avec une grosse queue en arrière du corps. Là, ce qui est gossant, c'est que t'en entends d'autres pendant ce temps. Comme la stratégie dans son trou. Elle m'a allé te rejoindre dans ton trou, ah, je peux pas. Elle revient, elle repart, elle revient. Il y en a d'autres. Aïe aïe! Les gars, ça, c'est un peu comme une sorte de sous-main pour faire un truc. Comme dans Resident Evil, là, mais faut que tu peux pas aller le chercher. Ça. Aïe, aïe. Et en voyant, il va tout de suite me sauter dessus.